Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Position avec le trait ici pour les blancs. Les blancs qui semblent en difficulté avec la dame noire très active ici. Le fou pour l'instant imprenable parce qu'il y a la tour en E3 qui se fait attaquer. Si jamais la tour prend D4, évidemment la tour 1 n'est plus protégée. Évidemment, on va chercher les coups forcés, hein. Donc les noirs ont deux pions d'avance, hein, aussi, hein. On pourrait remarquer ça. Deux tours à cavalier contre dame fou, deux pions. Le roi blanc en danger, des menaces sur le pion ici, donc dangereux pour les blancs. Coup forcé, tour 8, hein, seul échec vraiment intéressant parce que le cavalier pourrait donner échec, mais bon, on peut regarder rapidement, mais il se met en prise et évidemment les noirs vont le prendre. Donc tour 8, le roi viendrait en D7 et la tour serait attaquée. Le pion H3 est toujours en prise. Il y aurait aussi une menace d'échec en F3. Toutes ces menaces, il va falloir les parer très très vite. Heureusement, on a un bon coup pour parer la menace. Les menaces en contrôlant avec la tour les cases, bien sûr, vous l'avez vu, tout en créant une menace de notre côté. Un coup forcé, évidemment, l'attaque sur la dame. On joue sur le clouage, hein, c'est un peu le thème ici, hein, le clouage, mais il n'y aura pas que ça, hein, il y aura aussi l'attraction et l'attaque double, on verra ça après. Du coup, la tour qui donne échec, le roi qui est obligé de se mettre en D7, et la tour qui a la possibilité, heureusement, de revenir défendre les cases de la dame, tout en l'attaquant, jouant sur le clouage du fou. C'est très bien tout ça, mais c'est un peu trop défensif pour l'instant. Hein, le fou, est-ce qu'on va réussir à jouer dessus sur le clouage? Le problème, c'est que si on va doubler les tours, bon, la dame va bouger évidemment sur tour E3, elle va se mettre par exemple en H4. Et si on joue tour D3, en fait, il a la possibilité de défendre le fou avec le pion. Donc le fou, on ne pourra pas le prendre dans l'immédiat, à moins qu'il y ait effectivement un coup forcé qui nous permette de gagner le fou. Et ensuite, ça va nous permettre d'échanger en fait les deux tours contre la dame. Hein. La dame est probablement plus active que les deux tours ici, puisque le roi blanc est faible. Donc on a intérêt à, de toute façon, à échanger les deux tours contre la dame. Donc c'est une bonne idée. De toute façon, pour gagner le fou, on n'a pas d'autre choix. Vous avez vu évidemment les attractions qui vont permettre de gagner le fou. Puis ensuite, la dame contre les deux tours à l'aide d'une attaque double, évidemment. Échec. Roi D7, seul coup, tour E3, un coup important, donc ça c'est des coups très intéressants, comme je l'ai déjà dit, hein, des coups efficaces qui permettent à la fois de défendre et d'attaquer. Donc le fou, on joue sur le clouage évidemment du fou, la dame est attaquée, il n'y a plus d'échec, la dame doit bouger. Elle doit aussi bouger en défendant le fou, hein, parce qu'il est quand même attaqué par la tour, donc n'importe où, hein, de toute façon. Il est venu en H4, mais il aurait pu venir en F4, ça ne changeait rien dans tous les cas. Et là, bien sûr, le coup forcé qui permet de faire une attraction avec l'attaque double, vous l'avez vu, très certainement, on sacrifie la tour sur le fou, on attire la dame ici, et on va attirer une deuxième fois la dame pour pouvoir faire la fourchette. Là, la dame qui ne peut pas bouger, hein, il y a un clouage, encore une fois, dame prend tour, et la fourchette qui récupère la dame ici, avec le cavalier d'avance, cavalier pour deux pions, hein, donc c'est pas encore complètement terminé, hein. La partie, hein, il y a un avantage blanc dans cette finale, mais le roi noir est très avancé, et à mon avis, alors on pourrait rapprocher le roi, hein, mais peut-être que le mieux finalement avec les blancs, ce serait d'essayer d'aller chercher rapidement ce pion en H7 avec le cavalier, en vue de créer un pion passé comme ça, le pion H3, donc je verrai bien ce coup cavalier échec, et dans l'idée, hop, vite, amener le cavalier pour attaquer le pion. Si jamais les noirs ne veulent pas donner le pion, ils vont devoir ramener leur roi, et là, on aura la possibilité de ramener notre roi tranquillement. Si le roi noir va défendre le pion, ça veut dire qu'il ne va pas attaquer les pions là-bas. Et ça, c'est déjà une bonne chose de fait, hein, pour les blancs. Si les noirs vont essayer d'attaquer les pions, le cavalier va prendre ce pion. Il est quand même un peu plus rapide, le cavalier, que le roi, hein, malgré tout. Le pion ne pourra pas trop s'échapper. Hein. De toute façon, le cavalier devrait prendre le pion. On devrait pouvoir revenir avec le cavalier sur le pion passé pour se sacrifier.
Et après, les blancs auront un pion passé de leur côté, hein. Les noirs qui peuvent pas trop défendre ce pion, hein, du coup, hein, parce que, par exemple, cavalier G8 ou H4, H4, et ensuite, on peut attaquer le pion, hein, avec cavalier G8, et on va finir par le prendre, dans toute façon, même s'il fait H5, le cavalier va revenir pour prendre le pion, et là, il y aura le pion passé, hein, même si ce pion avance, le cavalier va pouvoir revenir sur le pion pour se sacrifier, tandis que le pion passé des blancs va aller trop vite. Donc voilà un petit peu probablement comment on devrait finir cette partie. Hein, pas la suite de la partie, je sais pas si les noirs ont abandonné, ça m'étonnerait à mon avis. La partie a continué, mais en tout cas ça s'est arrêté là. Et bon, a priori la finale devrait être gagnante pour les blancs. En tout cas c'était la bonne façon de jouer avec les blancs, ça c'est sûr, parce qu'ils étaient en difficulté au départ quand même, hein, parce qu'il faut bien se souvenir de ça. Et finalement, bah, c'est quand même une bonne nouvelle qu'ils arrivent à obtenir une position supérieure et probablement même gagnante dans la finale. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.